Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder les stories des membres de la team Nasdas, en commençant par Kinaï Santiago 66 sur Snap. Et après leur vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Gars, j'allais sortir de la voiture, j'entends du bruit. La tête à ma mère, je vous mens pas les gars. Ouais, Kinaï. Et tu crois que je rigole là? T'as fait comment déjà pour monter dans le coffre et venir avec moi en Espagne? Oh, je suis la tête à ma mère, les gars, je suis venu avec mon petit frère en Espagne. Il était dans le coffre. Ah, voilà, je suis bien là. Oh, tu m'as... Moi, je t'ai ramené en Espagne. Toi, tu t'es caché dans le coffre, mais t'es venu quand même. C'est pas grave, on va passer une excellente journée. Les trois, vous allez voir, les gars, on va passer une excellente journée en Espagne. Regardez les t-shirts qu'il y a de malade. Quoi? Je veux ça, s'il te plaît. Tu veux une peluche? T'as 40 ans, mon frère. Mais c'est pas ça, je l'en veux. Déjà, t'es monté dans le coffre. Quoi? Je le savais pas. C'est bon, là, t'es avec moi en Espagne. T'es content? Ouais. Et là, tu veux que je t'achète une peluche, mon frère? Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Là, les autres, les gars, ils sont partis faire un truc vite fait. Et moi, je suis parti acheter des cadeaux pour mon petit frère et le petit Picasso. Là, je vais les ramener. Là, les autres, les gars, ils sont... On n'a vraiment pas de chance, les gars. Je suis venu en Espagne, j'ai acheté un cadeau pour mon petit frère, Picasso. Et là, tous les restos, ils sont fermés. Je sais pas quoi faire, les gars, mais je sais qu'il y a toujours une solution. Et on va trouver une solution ensemble. On est venu manger au Buffalo, les gars. Il n'y avait que ça. T'as commandé quoi? Un hamburger. Un hamburger. Moi aussi, les gars, j'ai vraiment faim, là. On est venu manger au Buffalo, les gars. Il n'y avait que ça. Tu manges de la salade? Alors que t'aimes pas. Elle veut rien ta salade. Comment elle veut rien? Et pourquoi tu la prends alors? Où je le ramène, il est obligé de faire n'importe quoi. L'autre qui fait n'importe quoi avec la salade, et lui, il fait des dessins, alors qu'il a 40 ans. Tu fais quoi là? Oh, je dessine. Hein. Tu dessines? Ouais. Mais lui, les gars, au moins, il est calme. Que l'autre, il fait n'importe quoi, il jette la salade. Là, c'est bon, les plats, ils sont arrivés. Est-ce que tu peux me laisser taper un croc ton burger, s'il te plaît? Je veux pas. Et toi, tu prends mes frites. Il veut pas partager, mais il prend mes frites. Je vais partir, les gars, on a fini de manger. Là, je suis parti dans la salle de jeu. Ils sont pas là. Vous faites quoi? Arrête de crier, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, cassez-vous. On passe à la story de Waharani, boss la chinté sur Snap avec une apparition de Nasser à Saint-Jacques. Elle est là. Elle est là, Nasser, les gars, elle est là. Ouais, le café, le café. Elle est là. Elle est là, Nasser, les gars, elle est là. Il a l'Agda, le coach de l'équipe de foot. On passe à la story de Tourcoing 596 qui passe son permis sur Snap. Tout seul, oh là là, tranquille ou sus personne, oh là là. On va commencer, on va dire, en examen blanc. Mais là, j'ai déjà fait 20 heures. En tout, ça va faire presque 35 heures. Y'a pas un problème? Non, y'a rien. T'es nul, c'est toi. C'est toi le problème. Mais vas-y, juste. Oh là, aujourd'hui. Non, t'inquiète, va pas tomber, il est bien là. Il est bien. Les gars, wesh. Voilà, on était dans ce dégât. Tu ne vois plus mes yeux. Les gars, bref, là, les gars, Mathieu va faire passer le permis. Inch'Allah, les gars, je vais l'avoir très très rapidement. Là, on fait un bon bilan. Première fois qu'on se voit. Ouais, c'est vrai, première fois. Non, bah en vrai, pas. Non, pas qu'on se voit, mais en gros, ouais, quoi faire un examen blanc, on va se voir en sérieux. Vas-y, les gars, c'est carré. Là, on va rouler et après, on va dire le ressenti. Non, je vais dire qu'il est. Oh, c'était nul, frère. Les gars, je rigole. Bon, les frères, là, j'ai fini mon heure de conduite. Franchement, les gars, moi, je pense, je suis le meilleur élève 2024 de toutes les auto-écoles. Mathieu, t'en penses quoi? Franchement, alors, la mécanique, elle est fluide. J'ai rien à dire. Carré. Ça cale pas, ça démarre propre, ça rétrograde propre, j'aime carré, bien. Carré. On a réglé quoi? On a réglé les contrôles. Les contrôles. On les a réglés. Au niveau des contrôles, je vous dis la vérité, c'était un peu. Mais voilà, Mathieu m'a. On les a bien réglés. C'est carré. Et ce qu'on a réglé surtout, ce qui est important, ça c'est
pour tous ceux qui suivent Tourcoing, on va dire le secret, tous ceux qui ont le permis aussi. Ouais, c'est de simplifier en fait la conduite, c'est-à-dire les règles de circulation. Par exemple, là, on disait on se prenait pas la tête, on tourne au feu. Faut juste simplifier. En fait, faut pas se prendre la tête. Voilà, y a pas besoin de regarder partout à gauche à droite. Putain, c'est carré. Toi là qui regarde ce snap, c'est un jour tu passes par moi, je mets ma main à couper que tu repasseras. On passe à la story de Saya, mademoiselle SKK, qui a été invitée à l'anniversaire de Anaï à côté à Nancy. À Metz. Je sais plus. Ensemble, on a le même sable. Voir tes yeux, tu sais que j'aime ça. Je voulais te voir tous les jours auprès de moi. Je pense que vivre seul, c'est pas pour moi. Ouais putain, tu sais faire ça. Baby, veux devenir mon tati. Hey, baby. Oh, je viens de me réveiller. J'ai trop bien dormi, j'ai dormi chez Ena. On a fait une trop bonne soirée hier, c'était trop bien son anniversaire. Je me suis bien amusée. Et voilà, on va prendre un petit déjeuner. Là c'est prêt, vous pouvez venir manger quand même. Vous faites quoi? Ah, ça y est. Une survivante. How are you today? Là, c'est prêt, vous pouvez venir manger quand même. Vous faites quoi? Ah, là, je veux du cachet. Pourquoi tu m'as fait un placement là? Eh, hey, c'était quoi ça là? Tu m'as ramené un gros pot. Bah. C'est le Nutella Algérie là? Oh non, Algérie. Attends, je goûte la pâte. Ils veulent déposer Rachel à leur train sans que je goûte la pâte à tartiner, c'est mort. Moi, je vous jure, c'est trop bon. Ça a vraiment le goût du Kinder. Vite, cours. Bisous, mon bébé. La porte, la porte. La porte. Oh, la porte, Nadine, bébé. Vite, cours. Bisous, mon bébé. On passe à la story de Ena qui fête ses 24 ans. Lana 570. Est-ce que c'est toi la rose? Alors voilà, on vous présente la rose. Voilà, là il la présente le célibataire. Voilà. Alors là, il a fait une petite coupe au gel pour vous les filles. Il est parti, s'est mis en mode beau gosse. Voilà. Il s'est dit, ce soir, je pêche tout. Ouais, ce soir et quoi? Ce soir, je pêche tout. Allez. Il n'y a pas de son. Il y a même certains sons qui passent pas sur Snap, il me semble. Yeah!
bien. Comment vous dire que j'ai passé une soirée, mais tellement trop bien. Je crois que c'est la meilleure, c'est le meilleur anniversaire que j'ai passé. Voilà, clairement. C'était trop bien, que ce soit à la soirée privée au Casa del Gusto, ou que ce soit après à la Pampa, que ce soit après carrément chez moi, dans mon petit spa. Franchement, c'est trop bien. Je kiffe ma vie. Casa del Gusto, quand je vous dis que c'est le contact à avoir, c'est le restaurant où il faut faire vos anniversaires, vos soirées d'occasion, vos tout. Regardez, après une soirée comme on a passé, rien de tel qu'un bon petit déjeuner. Mmh. Ça va ta soirée? Ouais, c'était bien. Et toi, c'était comment? Super. Cool, hein? Happy birthday pour moi. Bisous, vite court. Bisous mon bébé. La porte. Et on passe à la story de Rachel Lopez. Rachel tiré du bas LPS. Bonsoir à tous et merci de votre attention. Tout de suite, les titres. Oui, le truc. Elle Morgiane, je sais pas quoi. Venez pas attraper ma veste déjà parce que je sais pas comment prononcer. Mais du coup, j'ai vu ça, j'ai dit bon, vas-y, je vais tester. Ça a fait une buzz dans toute la France. Ouais, je suis une influenceuse influençable. Il y a quoi? Je sais pas faire quoi. Mais bon, je me suis dit vas-y, je vais tester. Voilà. Une brésilienne qui goûte des trucs des Z. C'est pas. La première fois, je me dis bon, après je comprends pas pourquoi ça a fait autant de buzz. Je me dis, je vais retester. Là, depuis 21h, je descends le pot, s'il vous plaît. Alors que j'ai déjà 10 kilos sur la balance, au cas où, si mon nutritionniste voit cette story, sache que je ne réponds plus pour mes actes. Je suis tombée dans le piège comme 99% de la France. Bonjour mes chélis, j'espère que vous allez bien. Bon, un bonjour à 13h lundi. Voilà, franchement ça change d'habitude, je me réveille à 4h. Ouais, il y a 10 jours comme ça. En plus de ça, regardez, c'est comme mon petit déj. Elle Morjane. Depuis hier, mon nutritionniste il est en PLS les gars. Et mon corps bientôt il sera en PLS aussi, parce que chaque bouchée de ça, c'est 40 minutes de tapis. D'ailleurs j'ai vu tous vos messages concernant le maquillage d'hier. Bon, il reste plus grand chose, mais il était incroyable, vraiment. Merci beaucoup. D'ailleurs, j'ai vu. Bon, du coup, je pense que là, on est bon. C'est nickel à rebut, là. Vu que le petit déjeuner, il est servi. La vache qui rit. Ouais. Femme capable. La vache qui rit. Pourquoi tu nous fais un placement là? Bon mes chillies, ça y est, je vais prendre le train, rentrer à Paris. Dites-vous, je suis essoufflée, j'ai même pas eu le temps de faire une petite vidéo en disant au revoir aux filles. Bon mes chillies, ça y est, je vais... Pour 250 points. Dans quel film Louis de Funès apparaît-il avec Bourville? Forrest Gump, Le Grand Bleu, Les Bronzés, La Grande Vadrouille. La Grande Vadrouille, ouais. Film Tigre et Dragon fut titré. Normalement rien à voir, Michael Youn. Mais non, il y a un truc avec les 12 commandements, ou il y a les 13 commandements, je sais plus, mais il y a un truc avec le Funès aussi à l'ancienne. Ah ouais. Ouais, avant qu'il fasse le comique là, il y avait un vrai truc en mode guerre et tout. Ouais. Ah ouais. En mode de Paris, en mode de... Non, c'est la 16ème compagnie. Du coup, c'est pas peut-être. Mais bon. Vas-y, pose la question. En quelle langue le film
En quelle langue le film Tigre et Dragon fut-il tourné? C'est un truc asiatique. Ouais, bah ouais, c'est sûr. Portugais, espagnol, chinois, arabe. Chinois. Chinois? Ouais, j'ai chinois. Le tigre et le... je sais pas quoi, le serpent. Ok, j'ai mis chinois. Bonne réponse. Hello, j'espère que vous allez bien. Dites-vous, je me suis couchée tard samedi, depuis impossible de récupérer. Je suis fatiguée. Vraiment chaos. Je vous explique un peu mon programme. Là, ce week-end, j'ai l'anniversaire de ma sœur. Elle fait 18 ans. 18 ans. Putain, bref. Je voulais dire quoi? Ah oui, là-bas, je voulais re-rentrer entre deux à Perpignan. Sauf qu'en vrai, ça sert à rien. Je vais rester ici une bonne semaine. Comme ça, je profite bien de ma sœur. Je vais chez ma mère dans la semaine. Et ce week-end, je vois mon père avant l'anniv des 18 ans. Et comme ça, j'aurai vu tout le monde avant de repartir pendant un petit bout de temps à Perpignan. Et voilà. Et je voulais aussi, pour ce week-end, avoir fait mes ongles et mes cils. Donc, s'il y a des girls qui ont des rendez-vous de disponibles aujourd'hui, max demain matin, parce que je sors de la douche, là, je vais aller m'habiller. En fait, ce qui me saoule, c'est que j'ai que des habits d'été dans mon armoire et que mes habits d'hiver, ils sont sous mon lit, dans des trucs sous vide. Mais j'ai la flemme de sortir, de laver, de nanani, de nanana. Sauf que je vais arrêter de mettre des trucs légers, quoi. Je vous montre l'outfit du jour. Bon, c'est aléatoire. C'est un pantalon d'été avec un haut d'hiver. Mais ça va. Ça va, ça va. Juste ça, c'est serré un peu. J'ai l'impression d'avoir maigri. Mais quand je mets ce genre de pantalon... j'ai l'impression que j'ai grossi. On passe à la story de Hassoun.ASP10 sur Snap. Je crois que t'es le meilleur gardien de France. Mais non. Là, c'est qualifié pour le combien de tours là? Quatrième tour. Oh là 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 là, ça pique les oreilles. Vous avez vu ce gardien là? C'est un gardien de malade. Excuse-moi. Ouais. C'est quoi ton âge? 48. 48 ans? Ouais. 48 ans, il joue en F3. Ouais. Oh, c'est un gars. Le buteur. Ça t'a marqué un but de malade quand même, c'est quoi? Vous voulez où il y a couchant? Oh, Bilal, qui c'est qui arrive? Oh, c'est quoi? Gagné, qu'on allait gagner! Gagné, qu'on allait gagner! Gagné, qu'on allait gagner! Je préfère être fou, je préfère avoir le luxe de me tromper. J'aime bien ce luxe-là, je crois que c'est ça la liberté, c'est pouvoir se tromper encore. Et on finit avec la story de Crevette66B sur Snap. C'est l'un de mes plats préférés, riz basmati, des petits carrés d'escalope avec ses champignons et sa crème fraîche revisitée. Et je vous jure qu'avec cette petite jetée de fromage râpé, c'est l'un de mes plats préférés. C'est quoi, Slimane? C'est délicieux. Donc là, on va dormir tôt parce que demain, il y a école. Et en même temps, je vais en profiter pour monter faire une petite vérification. Si tout le monde a fait ses devoirs. Je suis pas content. Je suis même colère. Parce que Nerner est parti à l'anniversaire de son copain à 17h. Je lui dis, il n'y a pas de problème, tu y vas. Mais par contre, à 19h, tu es à la maison. Et là, il est 19h52. Donc moi, je pars à sa recherche. Je laisse pas passer ça. Et je ne tolère pas ça. Parce que comme on dit chez nous, ne laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse. Lundi. Le lundi, c'est un de mes jours préférés. Pourquoi? Parce que le lundi, c'est là où il faut attaquer tout ce que vous avez à faire pour la semaine. Et les attaquer le plus rapidement possible, c'est-à-dire en début de semaine. Vous marquez tout sur un papier et étape par étape, vous éliminez tout ce que vous avez fait, que ce soit pour les démarches administratives, les démarches familiales, les démarches pour les enfants, tout et n'importe quoi. Et ça vous permet de finir
votre semaine de bonne humeur et avec un très bon moral. Et le week-end, je vous jure qu'on l'apprécie. Donc je vous souhaite à tous une très bonne semaine et un bon courage pour tous ceux qui sont au travail. Hamza, je vais te répondre simplement et efficacement. Je prends pas mal du tout ton commentaire. Mais moi, au fait, je suis une personne, je repousse jamais à demain ce que je peux faire aujourd'hui. Retiens bien ça. Je ne repousse jamais à demain ce que je peux faire aujourd'hui, tout simplement. Donc je cherche à droite, à gauche, je tape dans cette porte, je prends un carton rouge, je vais dans l'autre porte. Je suis curieux, je me renseigne. Puis voilà quoi, tout simplement. Vous le voyez, oui, c'est bien mon camion. Mon camion actuellement est chez le garagiste. Il est en train de subir une intervention chirurgicale. Comme vous pouvez le constater, vous vous rappelez qu'on m'a volé les clés, il y avait tout dans la 207. Donc là, il faut remplacer toutes les serrures. Et quand je vois mon camion aller chez le garagiste, j'ai l'impression que c'est moi qui vais chez le généraliste. Ciao l'équipe. Le camion, il est là, il est bientôt de retour. Donc voilà, c'était la story de Crevette 66B et les stories des membres de la team Nasdas aujourd'hui. Enfin, c'était la veille, surtout la veille et un peu aujourd'hui, début de journée. Donc ouais, les dimanches, voilà, les lendemains de week-end. C'est pas là où il y a les plus grosses stories en général. Surtout sur Snapchat. Donc là, il n'a pas tort, Crevette, de noter ce qu'on a à faire, tout ça, parce qu'on a tendance à oublier, voire à faire d'autres choses inutiles ou à procrastiner. Donc ouais, il faut noter. Moi, des fois, je note sur les notes du PC, dans la section notes aussi du portable. Et des fois sur papier aussi, parce qu'il y a des choses à faire. Ben, ouais, il y a des démarches toute l'année à faire. Il y a toujours des paperasses à faire. Tu as toujours un contrôle technique à faire, une contre-visite. Alors, il faut réparer ça, il faut changer le pneu, il faut changer le truc, il faut changer ça. Tu as toujours quelque chose à faire, des travaux à la maison, les courses, signer des paperasses pour les gosses, signer des trucs... il y a toute l'année, chaque semaine, il y a des trucs à faire, voilà. Moi, c'est vrai, j'avoue, je fais, mais tout au dernier moment, en fait. Je fais tout au dernier moment, je repousse souvent tout. Bon, parce que aussi, le fait que je fasse, du re-uploading, commentary, sur YouTube, ça me prend énormément de temps, beaucoup d'heures, il suffit que je me lève tard, et ben la priorité je la place au re-uploading. Du coup, le temps y passe, les heures y passent à chercher les stories, à regarder les stories, à les enregistrer, à les commenter et tout ça, et à les mettre au montage et ensuite à les télécharger. Et ensuite, le téléchargement, tu le télécharges sur YouTube et ensuite tu marques les mots-clés. Donc, ça me prend énormément de temps. Et après, il arrive 18h, 19h, ben, tout est fermé, quoi. Et après, tu repousses ça au lendemain. Mais quand j'arrive à la fin, c'est l'échéance finale, il ne reste que quelques jours, là, je le fais. Je le fais, tant pis. Si un jour, il n'y a pas une story, si un jour, il n'y a pas un truc, une actu ou qui est repoussée au lendemain... Mais en général, j'essaie de m'organiser, voilà, j'essaie de me lever plus tôt. Là, depuis la rentrée, bah, j'essaie de me lever plus tôt, quoi. Histoire que je puisse faire les enregistrements le matin, en début d'après-midi, que j'ai au moins la fin d'après-midi, quoi. Que j'ai au moins le milieu, voire la fin d'après-midi, voire le début d'après-midi. Et c'est pas évident, voilà. Quand on a pris un mauvais rythme, quand on sort, vu que je travaille à la maison... j'ai aussi des travaux aussi à prévoir à la maison prochainement. Bon, bref, c'est vrai que c'est bien de noter. C'est bien de noter parce qu'il y a des trucs qu'on va oublier, bien sûr. Notre cerveau, c'est comme un disque dur. Des fois, quand il est plein, ben, il enlève des informations. Voilà. Donc, tout noter. Et quand tu fais les choses, eh ben, tu peux souffler, quoi. Mais quand tu repousses les choses, franchement, moi, ça me fait stresser des fois. Hein. Pour dire qu'il a raison, Crevette, parce qu'il y en a, il racontait, ouais, tu racontes ta vie, alors, ma vie, elle est intéressante. Surtout, là, quand j'ai parlé que quand j'ai été viré d'une soirée, c'était
Dans la story d'hier, par exemple, c'était je suis influenceur vape aussi, à côté, voilà, quatrième chaîne de vape en France, de francophonie, carrément de francophonie. Donc, ouais, j'étais invité à une soirée et j'avais un peu trop bu et tout le monde me connaissait et ça m'a un peu crié dessus en me disant, ouais, t'as rien de boire, devant tout le monde, quoi. Donc, je suis parti, j'ai claqué la porte, voilà, tout simplement. Et comme j'ai dit, les nerfs, je les ai transportés la soirée, le lendemain, et ces nerfs-là, ça c'est. Ces nerfs-là, ils se sont transportés sur d'autres choses qui n'avaient rien à voir et qui n'avaient pas à subir ça, voilà, tout simplement. Donc, comme j'avais dit, je le répète, j'aurais préféré que, comme TK, j'aurais préféré qu'on me dise, viens, j'ai un truc à te dire, et à part, dehors, par exemple, me dire, non, voilà, t'arrêtes de boire, et ceci, cela. Peut-être que j'aurais dit, ok, je serais rentré, j'aurais bu un Orangina, j'aurais mangé une pizza, et voilà. Tout simplement. Voilà, donc, voilà, il y en a qui viennent de ces chaînes-là, il y en a qui me connaissent de là-bas, donc, en plus, voilà. Donc, ça intéresse des gens quand même. Donc, on a vu aujourd'hui une apparition de Nasser à Saint-Jacques. Hein. Donc, ça fait 2 jours d'affilée. Hier, Ouarani l'a snappé. Il était en train de boire un café avec la poussette sans fils, sans Morgane. Il y en a qui vont faire des conclusions. Peut-être Morgane, elle est restée chez ses parents, je ne sais pas quoi. Et aujourd'hui, on le voit à Saint-Jacques encore. Donc, est-ce qu'il va revenir snapper? Je me dis pourquoi pas octobre, fin septembre, début octobre. Peut-être fin d'année, peut-être dans 2 ans, je sais peut-être jamais. Quoi, comme j'avais dit dans cette dernière story, il avait dit ce n'est qu'un au revoir. Sinon, finalement, la grosse actu du jour, ben, c'est l'anniversaire de Héna, qui habite à Metz. 57, c'est Metz. Non, 6, c'est quoi? C'est 64. Non, je ne sais plus. Non, 67, c'est Strasbourg. Je connais Strasbourg un peu. Donc, joyeux anniversaire, Héna, 24 ans, avec Saya et Rachel. Rachael, non, Rachel, c'est ça. Donc, après le fameux El Morgen interdit, donc je me suis renseigné un peu. C'est parce qu'il y a du lait dedans. Et l'Union européenne interdit toute importation de lait en Europe, sauf à quelques pays qu'ils ont cette autorisation, et l'Algérie n'a pas l'autorisation d'importer des produits qui contiennent du lait, et ne l'a jamais eu, donc, c'est pour ça, en fait, tout simplement, c'est administratif, parce qu'il y en a, ils disent, ils sont jaloux de la pâte à tartiner, tout ça, enfin, bref, c'est un autre débat, voilà, c'est un autre débat, c'est dommage, parce que j'aurais bien aimé la goûter, là, je crois que c'est un peu trop tard, voilà. Donc, et concernant Tourcoing ou Crimo ou Lauriana l'a un peu snappé vite fait, mais pas grand-chose. Crimo aussi, il passe le permis. Moi, la première fois, je voulais le passer à 20h. Voilà, je voulais le passer à 20h. Il me l'a fait passer dans un quartier que. Voilà. Mais le problème, c'est que j'avais fait 10 heures. Je m'étais absenté, je sais plus, 6 mois. 6 mois, 1 an, et je suis revenu et j'ai repassé 10 heures. Et 20 heures, c'est trop juste. Voilà. 20 heures aujourd'hui, c'est trop juste. Surtout si t'as pas les contrôles en réflexe, en automatisme. Voilà. Dès que tu fais un changement de direction, tu fais les contrôles. C'est pas tu vas regarder n'importe où tout autour de toi, non. Si tu changes de direction, c'est rétroviseur arrière, rétroviseur où tu vas changer de direction et angle mort. De là où tu vas changer la direction. Il faut que ça soit un réflexe, un automatisme. Il y a aussi, ben, bien sûr, ne pas caler, tout ce qui est mécanique. Et aussi, stationnement, créneau et stationnement en marche arrière, en épi, tout ça, en bataille, en épi, en maïs, en guerre, stationnement en guerre. Voilà. Et en créneau, c'est très important, voilà. Tu peux t'y reprendre à 2 fois, mais c'est mieux de. Voilà.
Si tu t'y reprends et que c'est pas dangereux, que tout ça, même en stationnant, voilà, faire. Donc, ouais, si à l'examen blanc, il y a eu des soucis sur les contrôles, faut les travailler, voilà. Et c'est pour avoir des automatismes, faut répéter. Surtout aussi quand tu as conduit sans permis aussi, tu vois, parce que j'avais une ex à moi qui était plus âgée que moi, donc elle me laisse. Quand elle était vraiment, parce que comme c'est une femme, elle est bourrée rapidement quand on va en soirée, tout ça. Donc elle me laissait conduire. Moi, je supportais plus l'alcool qu'elle, on va dire. Du coup, elle me laissait souvent conduire en soirée. Puis elle a vu que j'ai des bons réflexes. Du coup, j'ai pris des mauvais réflexes en fait en conduisant souvent sans permis. C'est malheureux. Et c'est carrément, c'est préjudiciable quand tu passes un permis. Parce que quand tu as des réflexes, va les enlever après. Surtout si c'est des mauvais réflexes que l'examinateur ne va pas apprécier, voilà. Et surtout, je trouve que c'est plus difficile de passer le permis dans un endroit où tu connais pas toutes les rues, toutes les sens, tout ça. Là, c'est plus quand tu passes le permis dans des rues où c'est l'inconnu. Voilà, les fois où j'ai réussi, parce qu'on me l'a supprimé une fois. Après, l'avoir n'est pas tout. T'as 6 points, faut se tenir à carreau 2 ans, quoi, pour avoir les 12 points. Moi, là, ça fait des années, ça fait longtemps que je me tiens à carreau. Bah, depuis que j'ai repassé mon permis, là, j'ai les 12 points, quoi. J'ai les 12 points, malgré que j'ai fait quelques rayures à la voiture. Voilà. En fait, les rayures, c'est des fois dans un poteau, dans un virage, ou en stationnant une barrière derrière. C'est des fois je fais pas attention quand je sais que c'est y a un muret ou des poteaux en fer. Quand c'est une voiture, c'est une voiture de quelqu'un d'autre, je fais beaucoup plus attention. C'est pour ça, comme là j'ai rayé un petit peu un truc bête. Je rentrais au McDo dans le virage, mon pneu arrière, il est monté sur le trottoir et du coup ça touche là-bas le petit poteau en fer, il a touché un peu, il a rayé un petit peu la voiture. Des trucs cons, des trucs cons. Enfin bref, donc ouais, 35 heures, finalement 35 heures, c'est au moins t'es sûr de l'avoir à 35 heures. Ou 30 heures, tout ça. Mais il y en a même 35 heures, ne leur suffit pas. Il y en a, ils sont vraiment pas doués. C'est 40 heures, 45 heures. Mais 20 heures, c'est juste, quoi. Moi, je peux pas dire pour moi, parce que d'un côté, j'avais les mauvais réflexes. De l'autre, j'ai pas fait les 20 heures d'affilée. J'ai fait les 20 heures en 2 fois, il se passait. Parce que j'avais déménagé, mon auto-école, elle était du coup beaucoup plus loin. Donc, j'ai dû faire. Après, j'ai pris l'auto-école de là où j'habitais. Voilà pour les actualités du jour de la team Nasdaq. Pour ceux qui les ont loupés, parce que les vidéos, elles s'effacent. Voilà. Et dommage, 4BDV, il a fait un petit placement pour un pote. C'est dommage. Samos, il donne même plus de nouvelles, alors que quand il avait arrêté de snapper, il allait pas bien. Ça aurait été bien de donner des nouvelles. Des fois, 4B, on le voit dans les stories de Warani, Mansour, Magui, on le voit plus, Tounsi, Cappuccino aussi. Voilà, peut-être qu'ils veulent prendre un peu de vacances, à respirer. Donc, voilà. Pour ceux qui ont loupé, en tout cas, les stories du jour, parce qu'elle s'efface au bout de 24 heures, ceux qui n'ont pas Snap, qui veulent revisionner les stories plus tard, ceux qui veulent pas d'énième réseau social, ceux qui n'ont pas le droit d'avoir Snap, ceux qui sont sur qui n'ont pas de smartphone ou qui veulent regarder sur Twitch, Nintendo Switch ou Twitch, sur Nintendo Switch via l'application ou sur la télé, ceux qui se perdent sur YouTube et sur Google. Et quant à ceux qui ne veulent pas écouter mon commentaire, bah je l'ai mis à la fin exprès, ou ceux qui n'ont pas le temps, pour que si vous ne voulez pas l'écouter, vous pouvez appuyer sur stop. C'est qu'un petit geste de la main et du pouce, hein, tout comme mettre un pouce bleu. Voilà.
pour aider au référencement, tout comme un peu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était ActuYTB2, premier sur les actus, les infos des influx, tchuss et à plus. Et là s'affichent d'autres propositions de vidéos. Yo.